action! This game's hilarious! Bonjour à tous, bienvenue, présentation du nouveau pack en fait destiné à la Ready to Go. Donc une build faite à base de Launchbox et de RetroArch en fait pour pouvoir jouer facilement en netplay. Donc je vous invite à aller regarder dans la description pour le lien vers le pack de base et ainsi que les autres packs disponibles. On va regarder donc tout de suite en fait ce qui se trouve dans cette build. Alors, et je vous prépare aussi un petit pack juste d'utilitaires si jamais vraiment vous partez d'un PC vierge de base. Au moins là vous aurez le minimum pour pouvoir lancer correctement. Donc vous avez le IO Runtime qui est bien connu de la scène rétro gaming, où c'est un pack en fait à peu près tout inclus. Vous avez juste à lancer, exécuter et il vous installe vraiment tout ce dont a besoin Windows pour tourner. Également un petit bloc-notes, le notepad plus. Ce qu'il est vraiment bien pratique, 7-Zip pour des IP et le Microsoft, le .NET Framework. On part tout de suite donc sur Launchbox. Alors l'installation en fait est assez simple hein, des packs. Je vous refais rapidement la présentation en vous montrant via la base. En fait vous aurez trois répertoires plus un média. Et vous aurez juste en fait à tout sélectionner ces trois répertoires et à venir les copier sur vos répertoires de base de la Ready to Go. Remplacer si jamais il y a besoin et vous pourrez relancer Launchbox et le pack ARM apparaîtra. Donc on va regarder tout de suite en fait ce qu'il a. On va repartir tout en haut. Voilà, alors il y a des classiques shooters. Alors malheureusement au niveau de ce pack, puisque pour moi c'est important d'avoir les saves. Mais on a, voilà, il y a quelques saves, effectivement, on va pas se plaindre. Mais en gros, voilà, il y en a une dizaine, une petite quinzaine, une bonne dizaine. On retrouvera Airduel, B-Shopper, Cosmocop, là, Hammer, Ryu qui est très bien, MG Fight, c'est un shoot 'em up, lui, je ne sais plus, Mash Title, c'est un jeu de golf, Ninja Spirit, le R-Type, le premier et le 2, malheureusement, il n'y a pas le Léo, et X Multiply qui est un jeu également de... qui est également un shoot 'em up. Bon, on va pas bouder notre plaisir non plus. Voilà, donc vous avez Air Assault qui est un très bon shoot 'em up vertical. Air Duel connu bien également. Très sympa, mais même moi j'accroche plus au visuel de Air Assault. Willy Tower, alors voilà, ça c'est vraiment un peu du rétro classique. Voilà, vous devez aller activer les interrupteurs pour pouvoir passer plus haut, etc. et que les courants aussi ne viennent pas vous percuter. Dyna Blaster, bon bah Atomic Punk, voilà, Bomberman quoi, hein. On connaît tous un peu ce style. Ah voilà, Battle Chopper, voilà, celui où il y a une sauvegarde, ça c'est cool, c'est un jeu qui est vraiment très sympa. Pas facile franchement à prendre en main, mais au fur et à mesure, voilà, vous shootez les blocs et compagnie, je vais vous le montrer je pense. Vous shootez les blocs, ça vous permet de récupérer des cristaux, il y a un peu des ennemis qui viennent de gauche et de droite, et vous devez, voilà, bah, vous devez avancer petit à petit dans le niveau, en améliorant vos armes, etc. Battle Road, voilà, c'est un jeu pareil, c'est du rétro classique, un petit véhicule, etc., qui avance, voilà, qui doit éliminer les adversaires, faire le plus de points. Un fighter beat them up, donc très sympa, donc Blade Master, Buccaneers, qui est vraiment bon, bah, vieux jeu, mais bon, voilà, je trouvais quand même sympa de l'avoir. Cosmic Cop, bah pareil, donc lui on a le high score qui sauvegarde, donc pareil, donc c'est un shoot 'em up mais en scrolling horizontal, très très sympa, visuellement très chouette. Il me fait penser au visuel à Undercover Cops, qu'on retrouvera plus bas. Dragon Breed, qui n'a pas de sauvegarde il me semble, mais qui est très sympa comme shoot 'em up vertical. Jeu de foot, un peu de vieux basket très très rétro. Les Gun Force, alors très sympa, Gun Force 1 et Gun Force 2, mais pour moi je préfère le 1. Qui est plus lisible et qui est surtout beaucoup moins difficile. Le 2, c'est pour moi, c'est il est illisible et au niveau de la difficulté, je trouve ça vraiment abusé. Hammer in Harry, très sympa comme jeu également. On a Hook, un de mes beat them up préférés. Horizon, qui est un classique aussi de chez ARM.
Voilà, où on pouvait se déplacer sur trois lignes. Donc il y a vraiment pas mal de jeux à présenter. Image Fight, donc voilà, Shoot Them Up, pareil. In the Hunt, très très connu, également très sympa. Qui changeait vraiment des Shoot Them Up et horizontal, ça se passe effectivement. Vous êtes dans un sous-marin, voilà, vous pouvez tirer dans les airs et sous l'eau en fonction de votre position. Un petit jeu de plateforme, très mignon. Lethal Thunder, qui pareil, un bon shoot 'em up très sympa. On a une série donc de Load Runner, il y en a 4. Donc le Load Runner, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est effectivement, vous avez un petit personnage avec des ennemis, donc vous devez récupérer en fait tous les petits lingots, ou je sais pas ce que c'est, et en fait vous pouvez faire un trou soit sur votre gauche, soit sur votre droite, pour faire tomber les ennemis dans les trous, après ils repop, mais ça vous permet d'avancer. Voilà, vous avez des rampes et tout, donc très très chouette. Un petit jeu de réflexion, de logique, voilà, pour faire tomber, bon, ça c'était vraiment en plus, donc le jeu de golf, qui est chouette, hein, mais bon, moi je suis pas fan. Encore un petit jeu de puzzle, bon, toujours sympathique. Celui-là, il est vraiment très mignon, voilà, vous devez, en fonction de ce que vous faites, vous pouvez shooter donc les petits bonhommes qui arrivent, ça les transforme en blocs de glace, ça vous permet de faire des ponts, vous pouvez bloquer, remettre, déplacer des plots, etc., un bon petit puzzle. Mystic Riders, un shoot 'em up horizontal très joli pour Rogue, je trouve, vraiment très très chouette. Vous pouvez vous servir de votre balai pour tuer les ennemis également. Atomic Punk, donc ben, le numéro 2. Un de mes beat 'em up préférés, Ninja Baseball Batman, Ninja Batman. Coloré, vif, sympa, décalé, j'aime beaucoup. Ninja Spirit, donc voilà, un petit jeu sympa, mais pour moi ça vaut quand même pas ce que sont devenus les Ninja Baseball après, etc. Risky Challenge, donc un petit jeu très mignon où c'est un peu comme un Tetris, en fait il y a les blocs, sauf qu'il faut faire avancer, c'est un mélange entre Tetris et Lemmings. Donc le R-Type 1, le R-Type 2 et le R-Type 3. Des grands classiques des Shoot 'em Up. Un petit rétro classique encore avec une sorte d'archéologues avec plein de monstres, etc., qui pour récupérer un maximum de trésors. Donc vous avez le 1 et le 2. Également Superior Soldier, donc un jeu de combat, un fighting, un versus fighting. Sympa mais difficile. Undercover Cops, encore un jeu de un beat them up, donc très sympa. Vigilant, un des on va dire des seigneurs des jeux de combat. Bon, voilà, c'est un classique, etc. à voir. Moi, je suis pas très fan. Voilà, c'est effectivement, ils ont repris le côté de karaté. Et également, donc, X-Multiply et Yu Jaden, qui est une sorte de Mercs, voilà, petit jeu. Et donc, celui-là, effectivement, Shoot Them Up. Kung Fu Master, je sais même pas si je voulais présenter Kung Fu Master, qui est un grand classique du jeu vidéo. Voilà, très, très sympa, qui ont effectivement, pour moi, donné les beat'em up après, quoi. Celui-là, est-ce que je l'ai présenté? Non, je l'ai même pas présenté, le petit Kiniki, un petit jeu de ninja, je préfère un Ninja Spirit finalement. Voilà, bon, bah, je pense que je vous ai tout présenté. On peut peut-être se lancer un petit Air Assault rapidement, histoire de voir ce que ça donne. Alors c'est du multi-click, hein, on n'est pas sur un truc Zonpachi où on reste appuyé. Voilà, j'aime bien ce petit visuel, cette musique est sympa. Le bruit des tirs peut être un petit peu agaçant au bout d'un moment, mais ça va.
Thank you.
avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller télécharger le pack de base sur, sur Arcade Punks ou sur les liens dans la description. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur Retro Vers le Futur, qui est un très chouette groupe sur Facebook. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, une très bonne soirée, bon game à tous, à très bientôt. Ciao.